J'espère que vous allez bien, on est lundi, il est 10h et on démarre une nouvelle semaine de vlog. Hier, je vous ai laissé et après, j'ai installé mon sapinou. Bon là, il n'est pas encore décoré et tout, j'ai juste mis les lumières dessus. Mais ça va venir dans la semaine, donc on fera ça ensemble. Que vous dire d'autre? Donc ce matin au programme, montage de la vidéo du jour, montage du vlog. Il faut aujourd'hui que je m'occupe de... J'ai toutes les adresses pour les calendriers de l'Avent. Donc le tirage au sort a été fait. J'ai mes gagnantes, je vous donnerai les noms tout à l'heure pour vous donner un petit peu un avis. Mais les gagnantes ont été prévenues, j'ai leurs adresses. Donc voilà, faut que je m'occupe d'emballer tout ça et de les mettre à la poste demain matin. Et en même temps, demain matin, faut que j'aille chercher mon calendrier de l'Avent de Jenny, parce qu'il est arrivé au point relais samedi, mais j'ai pas eu le temps du tout d'aller le chercher. Donc voilà, voilà. Et vous aurez, quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu la vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc voilà, on aura, vous aurez tous les vendredis qui est passé la vidéo ouverture. Et après tous les vendredis, vous aurez une vidéo sur l'ouverture des calendriers de l'Avent des petits paquets. Donc voilà, ce matin, comme je vous ai dit, je vais finir de boire mon thé. C'est un bébé détox de Kusmiti. Je vous ai mis une petite photo ce matin sur Insta avec mon petit déjeuner, où je reprends un petit déjeuner beaucoup plus sain, et ça c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, comment je suis habillée? J'ai mis ce top que j'avais reçu je sais plus si c'est Verivoga ou si c'est Rose Gall, j'ai un gros doute. J'essaierai de regarder, de vous le mettre en barre d'infos. Le gilet, il vient de chez New Look il y a des années. J'ai le jean avec des... un jean clair avec des petites fermetures en bas, mais que j'ai recourbé, donc on voit plus les fermetures, qui vient de chez Fort et Joli. Au niveau des bijoux, j'ai juste un petit sautoir comme ça que j'avais trouvé chez Kiabi il y a des années. Et au niveau du make-up, je me suis maquillée avec le dupe de la palette Norvina. Donc celui de chez Makeup Revolution, j'aime beaucoup le violet. Et vous m'avez beaucoup dit que le violet m'allait bien. Et sur les lèvres, je porte un gloss, un lip gloss de chez Urban Decay, les Naked. Alors je pense qu'il n'existe plus sous cette forme, il me semble. C'est la teinte Love Child et c'est vraiment un rose, un petit rose tout sympa. Voilà. Et les bijoux. J'ai mes petits bracelets en pierre comme ceci et une bague de chez Ligne D. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Que vous dire d'autre pour l'instant? Bah écoutez, pas grand chose. Moi je vais me caler au montage et puis je vous retrouverai un peu plus tard. Bonjour. Voilà. La vidéo du jour est montée, le vlog est monté. Il y a un peu plus d'une heure encore cette semaine. Vous allez être contente. Et là, je viens de refaire mon vernis. Regardez-moi cette merveille. Il est magnifique. C'est un espèce de... moi j'appelle ça un cerise noir. Il est trop beau. C'est un vernis que je viens de recevoir ce matin de la part de Givenchy et d'Octoly. C'est celui-ci, c'est le Givenchy de la collection Noël. Donc c'est le Couture Color Eye Shine Limited Edition, donc l'édition limitée de Noël. Et c'est la teinte 11 Cosmic Night. C'est pas du tout... les vernis Givenchy, c'est le premier que j'applique. Et franchement, c'est juste du bonheur. Donc le packaging, il se présente comme ceci. Voilà, c'est très joli, vous avez juste le petit logo Givenchy, c'est très classe je trouve. Et voyez la couleur dans le packaging. Est-ce que je vais arriver à vous faire le focus? Voilà, c'est magnifique, enfin c'est vraiment très beau et voilà ce qu'il donne. Bon, faut que je nettoie un petit peu les bords, mais il est magnifique et là il y a une seule couche. Je suis totalement bluffée par les vernis Givenchy, autant j'adore les vernis Dior, les vernis Chanel, il y a plein de vernis que j'adore comme ça, mais en marque, en grande marque, je n'avais jamais testé Givenchy, et là je suis bluffée, parce qu'en une seule couche ça donne ça, et c'est juste du bonheur quoi. Voilà, donc franchement merci Givenchy, je suis hyper contente d'avoir reçu ça, parce que c'est vraiment une révélation pour moi les vernis Givenchy, il va falloir que j'aille voir un petit peu les teintes qu'ils ont et tout ça, parce que franchement ça me branche beaucoup. Ensuite, j'avais reçu une deuxième chose, mais je vous en reparlerai très prochainement. Parce que là, je viens de faire mon vernis et du coup, je vous la montrerai quand mon vernis sera sec. C'est une palette de chez Sephora, c'est la collection de Noël également, mais je vous en reparle juste après manger, une fois que le vernis sera bien sec, parce que sinon, je vais faire des bêtises en ouvrant le paquet. Donc, il est 13h, je vais me faire à manger et une fois que j'ai fait à manger, eh bien, je vais aller m'occuper des emballages,
Des comment? Des calendriers de l'Avent que je dois envoyer demain. Allez, c'est parti, bon. On continue. Après 1h30 passée au téléphone avec ma copine Karine, je vais finir ce que j'étais en train de faire. Donc, les 3 colis des gagnantes du calendrier de l'Avent sont prêts. Donc, j'envoie à Angelina Pelletier, j'envoie à Cuvillier Henriette et j'envoie à Aurélie Saint-Martin. Voilà, c'est les 3 gagnantes du calendrier de l'Avent, Instagram, Facebook et YouTube. J'ai couru un peu après l'appel, j'ai un peu soufflé. Donc je vais finir le vlog de Jenny que j'étais en train de regarder tout à l'heure. Et je vais envoyer les messages avec les numéros de suivi aux intéressés. Coucou, voilà, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 10h25. J'ai déjà préparé des colis ce matin parce que j'avais oublié de faire mes colis Vinted hier. Donc ça, c'est fait. Donc Clémence et Karine. Voilà, voilà. Si vous passez par là, on ne sait jamais. Je me suis maquillée ce matin avec la palette dont je vous parlais hier de chez Sephora. Donc c'est la palette de Noël. Donc c'est l'Enchanted Sky Palette. C'est celle-ci, le packaging est magnifique. Franchement je trouve ça très joli. À l'arrière vous avez ça. Voilà. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Je vais vous en glisser quelques mots. Alors, la palette en elle-même se présente comme ça. Voilà. Voilà. Par contre, je trouve que... Attendez, je vais vous poser pour vous montrer ce dont je parle. Je vais vous poser comme ça pour vous la montrer, ce sera plus simple. Donc, la palette se présente comme ça. Donc, elle est très jolie, tout en paillettes et tout. À l'arrière, c'est doré comme ça. Et vous l'ouvrez comme ça. Donc, à l'intérieur, vous avez... c'est écrit « Shine bright like enchanted star in the sky ». Donc, les... ça brille dans le ciel comme les étoiles enchantées, quelque chose dans le genre. Voilà, donc la palette est très jolie, vous avez une protection. Vous avez donc 3 et 3, 6, 7, 8 fards, comme ceci. Ils sont assez jolis. Par contre, ce que je reproche à cette palette, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que quand vous la posez sur votre meuble à maquillage et que vous voulez vous maquiller, moi souvent, j'ouvre et je me sers des fards. Mais le souci, c'est que ça se referme tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Voilà. Ça, c'est un petit peu gênant. Mais bon, hein, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Bon, j'ai l'impression qu'elle est un poil aimantée parce que du coup... ouais, il y a un aimant là. Donc elle est un poil aimantée. Donc ça, c'est cool quand vous voulez l'emmener. Mais c'est un peu chiant quand vous voulez vous maquiller. Donc je vous disais, donc il y a 8 fards. 3, 3, 6, 7, 8 fards. Voilà, comme ceci. Donc eux, ils disent... Ils disent, composé de 8 fards à paupières nacré mat allant du rose pâle au brun sombre. En passant par les dorés, cette palette sera votre meilleur allié pour un regard à tomber. Alors rose pâle, moi personnellement du rose pâle j'en vois pas là-dedans. Pour moi ça c'est un beige, ce n'est pas un rose. Il y a bien un rose foncé là, mais pour moi je vois pas de rose pâle. Ouais, franchement celui-là il est plus beige que rose pâle. Donc voilà, sinon il est assez joli. Vous avez, moi je me suis maquillée ce matin avec celui-ci en creux de paupière, celui-ci sur toute la paupière mobile et je me suis servi de ce doré là pour mettre un petit peu en coin externe, en coin interne, je vous montrerai après. Et je me suis servi également de celui-là pour uniformiser toute la paupière avant de me maquiller. Donc celui-ci est très très poudreux, par contre les autres non, comme ouais, c'est étrange. Mais franchement, elle est sympa. Je m'attendais à celui-ci beaucoup plus... pigmenté, mais il est sympa quand même. Ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, ce sera plus simple. Je vais me mettre à la fenêtre comme d'habitude pour que vous voyez mieux. Alors je me suis foutu la brosse du mascara dans l'œil, donc au niveau de cet œil là, ça pleure un petit peu les gars. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est joli, hein, c'est... Voilà, c'est joli, c'est sympa, mais c'est pas non plus la... Enfin, pour moi, c'est pas non plus la palette de l'année. C'est une bonne petite palette à offrir en cadeau, plus peut-être à des jeunes filles ou à des nanas qui débutent le maquillage. Après, je pense que si quelqu'un a l'habitude de se maquiller au fil du temps, il va un peu s'embêter avec cette palette, mais des petites jeunes filles et tout, je pense que ça peut leur plaire, une petite palette comme ça.
Voilà, voilà. Au niveau des prix et des liens, tout est en barre d'infos, comme d'habitude. Merci Octoly et Sephora de m'avoir envoyé cette palette. Moi, je vais m'en servir parce que je trouve qu'elle est facile à utiliser. Et ça, c'est pratique parce qu'il y a des fards par moment, c'est assez compliqué à travailler, etc. Celle-ci, elle est vraiment facile à utiliser. Donc ça, je trouve ça cool. Voilà, vous, on n'a pas besoin de travailler pendant 15 jours pour avoir... Vous savez, on n'a pas besoin d'estomper, estomper, estomper, estomper. Vous posez, c'est déjà estompé. Enfin, elle est pratique à travailler, ça, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, elle est pas mal. Les boucles d'oreilles que je porte sont des boucles d'oreilles de chez Créa Bijoux. Si ça vous intéresse, allez faire un tour. Elle a des très très beaux modèles en ce moment. Voilà. Ensuite, j'ai mis mon petit top que j'adore. Oh, j'ai fait une tache avec la poudre. Mon petit top que j'adore de chez Forte et Jolie. C'est mon grand dada. Je le porte très souvent, vous le savez. Et j'ai mis mon fameux jean avec les perles de chez Rosegal. Ça, c'est un de mes amours de tous les temps. Je l'adore. Voilà. Sinon, sur ce... Ce matin, là tout de suite maintenant, je vais aller chercher mon calendrier de l'Avent de Jenny, oui oui oui. Donc il y a 3 colis qui m'attendent au point relais que Jenny m'a envoyé. Je vais déposer vos calendriers de l'Avent à vous, 2 à la poste, 1 au Mondial Relais, en espérant que vous les ayez à temps pour samedi, puisque samedi on est le 1er décembre, je vais croiser les doigts intensément. Et puis, ben voilà, faut que j'aille à la poste au Mondial Relais. Et après je rentre et je déballe le calendrier de l'Avent de Jenny, ouais 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 ouais. Ah, j'ai pas ouvert aujourd'hui le fameux calendrier de l'Avent jour de l'an de chez Makeup Revolution. Alors on va ouvrir ça ensemble. D'ailleurs hier je vous ai pas, j'ai pas ouvert, excusez-moi. D'ailleurs hier j'ai pas ouvert avec vous la case. Et c'était un crayon à lèvres un peu mordoré. Aujourd'hui dans la case on a un eyeliner noir. Je crois que c'est ça, hein. Liquid eyeliner, ouais c'est un eyeliner noir basique. Donc ça, vous le savez, c'est pas du tout mon dada. Hop, il va dans le pot et je vais le mettre dans les petits trucs pour vous. Parce que l'eyeliner, c'est pas mon truc. Mais je savais qu'il y avait un eyeliner, mais bon, il y a plein d'autres choses très sympas dedans. Donc on verra ça plus tard. Sur ce, je vais mettre un petit gloss très léger sur les lèvres et je m'en vais. On en parle de la folitude de Jenny ou pas? Ouais, les 3 cartons que vous voyez là, c'est mon calendrier de l'Avent. Jenny, tu es une folle. Donc sur ce, moi je vais déballer ça puisque j'ai quelques bonus à vous déballer. Donc ben, c'est parti. Bon voilà, je vous retrouve une heure après, le calendrier de l'Avent de Jenny est installé. Donc voilà, ça c'est fait, je crois que j'ai mis une heure à tout déballer et tout faire. Ça c'est fait, je suis trop contente. Sur ce, il est 12h30, je crois que je vais me faire un thé. Un bon thé, parce que j'ai envie d'un thé. Et me détendre devant une petite vidéo YouTube. Ben, on a compris. Bon, il est 2h30 et je suis devant les téléfilms de Noël. Et j'ai descendu les grosses boîtes. Donc c'est 3 grosses boîtes comme ça que j'avais trouvé chez Action il y a quelques années. Et en fait dedans je range tout mon Noël. Et Birdie est intéressé. Donc on va faire le petit sapinou. Ouais, c'est parti. Le swap de Jenny m'a mis en envie de faire Noël en fait. Hop, on allume le petit sapin et on va faire la déco. C'est parti. Dans la maison, c'est fait, tout est fait. Je vous ferai une petite vidéo spéciale que je mettrai début décembre sur toutes les décorations. J'en ai mis là, j'en ai mis sur les étagères là-bas, voilà. Et il y a mon plus beau Noël qui commence avec Maxime de la chaîne Maxime Makeup, je crois. Si vous connaissez pas, faut aller voir. Là-bas aussi, là-bas, il y en a partout. Voilà, voilà. Et j'ai accroché la fameuse déco là, dans le coin là. Vous savez, celle que j'avais rachetée quand on est allé chez nos amis à Gorcy. Voilà, là je suis, il est 17h20, je suis complètement crevée. J'ai même mis le canapé en mode Noël, ouais. Je suis totalement crevée, je vais aller me faire un bon thé, me poser devant mon plus beau Noël. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 13h25 et je vous ai pas pris ce matin parce que je devais mener ma maman chez le garagiste et il fallait que je sois 9h30 chez elle, donc c'était un peu la course ce matin. Donc je suis revenue, donc voilà, j'ai passé un petit moment avec mon papa et ma maman, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, là cet après-midi au programme, je vais vous préparer des vidéos. Donc j'ai la vidéo de dimanche à faire sur les idées cadeaux de Noël. Donc il y aura deux, trois idées, enfin deux idées cadeaux de Noël et un petit truc en particulier que je voulais vous parler. Donc je vous renvoie à la vidéo de dimanche. Je vais essayer de vous la remettre dans le petit i. Et il faut que je vous montre la vidéo qui sera en ligne vendredi, qui est le calendrier de l'Avent avec Jenny. Donc pareil, je vous la remets dans le petit i au cas où. Et que je monte aussi la vidéo de lundi prochain. Donc voilà, j'ai pas mal de montage vidéo à faire, de vidéos à tourner. Donc cet après-midi, je me consacre à vous, spécialement à vous. Voilà. Et puis en plus, tourner les cadeaux de Noël avec le sapin tout fait, c'est encore mieux. Je vois que j'ai plus de batterie, donc je vais changer la caméra. Et je vais faire tout bon, ce que j'ai à faire. Bon, il fait super sombre quand même. Hein. Ça y est, j'ai tourné mes vidéos. Je vais maintenant passer au montage. Il est à peine 14h et j'ai l'impression que la nuit va tomber. Ouh, c'est l'hiver les gars, c'est l'hiver. Bref. Allez, sur ce, je me colle au montage. Il est quelle heure? Il est 17h. Donc je vous ai monté deux vidéos, celle de vendredi, celle de dimanche. Il faudra encore que je vous monte celle de lundi en aujourd'hui, parce que je voudrais la faire aujourd'hui ou demain, je verrai bien, sinon je la ferai demain. La vidéo de vendredi se met en ligne. Là je vais faire un petit gâteau pour Chouchou, donc je vais regarder un petit peu des recettes et lui faire un gâteau pour ce soir. Et puis, mais je crois que je sais ce que je vais faire, donc je vais faire... Je vais faire mon gâteau Nutella chocolat blanc, enfin il adore ça, donc on va faire ça. Et puis après, il faut que je m'occupe de son calendrier de l'Avent, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas pour les nouvelles arrivées. Tous les ans, je fabrique un calendrier de l'Avent pour chérie, donc il y a deux ans, je crois que c'était des répliques de films. L'année dernière, il y avait des chansons également. Et cette année, je vais lui faire avec des images de films, de vieux films, parce qu'il adore ça, donc je vais essayer de faire ça. Je vais m'y atteler et je vais le mettre là-dedans. C'est des petites boîtes en fait que j'avais trouvées. Je crois que c'était chez Action que j'avais trouvé ça. C'est des petites boîtes comme ça, donc je mettrai mes petites photos là-dedans. Donc là, tout de suite maintenant, je vais faire mon gâteau et puis je vous retrouverai après. Bon, chérie, rentrée. Il est 19h09. Je vais aller me démaquiller. Mais avant, je ferme les volets. Je vais aller me démaquiller puis mettre en petite tenue tranquille ou bilou. Je vais poser ça là. Demain, il faudra que je vous montre parce que j'ai reçu des choses plutôt sympathiques. Donc, je vous montrerai ça demain. J'ai reçu une palette d'Amazon et un nettoyant pour pinceau qui a l'air plutôt pas mal. Alors, si vous attendez des gros bruits, c'est Chéri qui est dans le grenier et qui est en train de chercher des morceaux de bois. Attendez, hop, voilà. Des morceaux de bois pour le projet dont je vous ai parlé la semaine dernière. Dans le dernier vlog, le projet de refaire un sol béton, j'allais dire n'importe quoi, un sol au-dessus de du grenier en fait, pour faire un espèce de truc qui va permettre de stocker des choses. Donc on a acheté les trois quarts du bois la semaine dernière et il cherche d'autres petites choses pour consolider genre des choses comme ça. Donc là, hop, démaquillage. Je fais ça à l'huile aujourd'hui avec l'huile graines de pastel. D'ailleurs, il faut que je vous fasse ma vidéo sur graines de pastel. Je ne vous l'ai pas encore faite. Il faut vraiment, vraiment que je vous la fasse parce qu'il y a plein de produits que j'ai commandés. Ça fait depuis les vacances que je les utilise et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Donc il faut que je vous fasse cette vidéo. Je vous avais dit que je vous la ferai quand j'aurai bien testé les produits et tout, et là, je crois qu'on y est. Hein. Donc je vais essayer de vous la faire pour la semaine prochaine sûrement, je vais bien voir. Donc voilà, petit démaquillage en règle. Et après, une fois que je me suis démaquillée avec... l'huile, je passe un petit coup de tonique, toujours de la marque graines de pastel. Pour peaufiner le démaquillage. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est... midi moins 10, je vous ai pas pris ce matin parce que je voulais aller chez Noz et Chéri est partie tôt, donc je suis partie en même temps. Et du coup, j'ai été faire mes cours juste après, comme vous pouvez
le voir, il y a les sacs nose là où il y a mes courses dedans. Donc je vais vous filmer le retour de course et chérie rentre manger ce midi, donc il faut que je me dépêche. Oui, oui, oui. Bon, allez, voilà, retour de course filmé. Et je vous disais dans cette vidéo retour de course que j'allais vous expliquer pourquoi j'avais acheté ça. Donc un thermophile indien, en fait c'est tout simple. Hier en parlant avec ma maman, elle me dit, je lui dis j'en ai ras le bol, j'ai toujours les lèvres explosées en ce moment, c'est une catastrophe. Elles sont hyper sèches et tout, je peux plus mettre de rouge à lèvres mat comme j'aime bien parce que tout de suite ça assèche les lèvres et c'est une cata. Elle me dit mais en même temps ça m'étonne pas, hein, t'as toujours été comme ça. Je la regarde, je lui dis comment ça j'ai toujours été comme ça. Bah elle dit toute ton enfance tu nous as emmerdé avec tes lèvres et à chaque fois c'était une cata, t'avais les lèvres sèches et tout. Et je lui dis mais depuis que je suis adulte ça le faisait plus. Elle me dit tu retombes en enfance ma fille. Et donc voilà, et elle me dit de toute façon cherche pas, achète pas 36 000 baumes à lèvres, il y a qu'un truc qui marche sur toi, c'est le dermophile indien. Donc j'ai acheté du dermophile indien et je croise les doigts pour que maman ait raison et que bah, ça aille, ça me guérit ce problème de lèvres gercées. Alors j'ai plus le problème de soucis au contour des lèvres, c'est réglé quasiment, mais je vous avouerai que les lèvres gercées c'est hyper chiant quoi. C'est pas un truc dont j'avais l'habitude, donc c'est hyper chiant. Et là je m'assois parce que j'ai faire un petit tour chez Nose, donc je vais vous montrer. Alors, ce que j'ai petit ramené. Tour chez Nose, vous voyez, petit tour hein, vraiment petit tour, donc je vais pas vous faire une vidéo pour ça. J'ai acheté 3 bouquins, sortez de vos automatismes et soyez enfin vous-même en mieux, donc sans clé pour se débarrasser de ces habitudes qui vous gâchent la vie. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça sympa, il était à 20€ moins 80%. Ensuite j'ai pris le détour de S.A. Bodin comme ceci en livre parce qu'il me fallait des livres en fait, donc c'est pour ça que je suis allée chez Nose. Il était à 2,99€ et ça m'a l'air pas mal, l'histoire m'a l'air plutôt bien, donc à voir, mais il m'a l'air sympa. Et le dernier c'est celui-ci, le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette de chez Michel Lafon. Et en fait j'ai lu l'histoire et ça m'intéressait et après j'ai vu que c'était un livre de Valérie Damido. Alors je suis pas trop fan de Valérie Damido, mais je me suis dit qu'il avait l'air sympa ce livre, donc j'ai voulu essayer. Il était à 2,50€ celui-ci. Ensuite j'ai trouvé des petites serviettes de Noël qui étaient trop belles, qui sont vraiment pile poil dans les couleurs de ma déco. Donc moi j'aime bien même en ce moment le dimanche matin et tout, des petites serviettes de Noël, je trouve ça sympa. Et j'ai pris des mini serviettes comme ça aussi qui font un petit peu Noël pour mettre à la table basse parce que des moments on en a besoin aux apéros et tout ça. Donc voilà, un petit paquet de gâteaux, petit écolier bar comme ça. Ils étaient à combien ceux-là? Aucune idée. Aucune idée et je ne trouve pas mon ticket. Si, il est là. Petit écolier bar, est-ce que c'est marqué 1,28€ les petits écoliers bar. Et les serviettes, je ne vous ai pas dit le prix. 98 centimes pour celle-ci. Et les plus petites, c'est quelle taille ça? 75 centimes. Ensuite j'ai pris des tout petits pots comme ça parce que c'est toujours pratique quand on veut mettre de la sauce. Vous savez quand on fait des soirées chinoises avec des nems et tout ça pour mettre de la sauce, ou même quand on veut mettre de la sauce en général hein, voilà. À 50 centimes pièce, ils sont trop mignons j'ai trouvé. Et c'est de la marque Armadis. Donc c'est français, c'est fait à Wascal. Novastyle, ils ont énormément de produits de la marque Novastyle. Il y a beaucoup de vaisselle en ce moment chez Nose, mais ceux-là je les ai trouvés jolis et ils existaient en plusieurs couleurs. J'ai pris également un gel douche, le petit marseillais, douche crème de soin, hydratation intense, beurre de cacao et sésame. Parce que j'ai les jambes très sèches en ce moment, donc je pense que ce sera pas mal. J'ai repris un moule comme ça à cake parce que le mien a rouillé à l'intérieur. Je l'ai laissé comme une cruche avec de l'eau toute une nuit et il a rouillé à l'intérieur. Donc voilà, donc j'en ai repris un comme ça, il était à 2,99€. J'ai trouvé une petite boîte que j'ai trouvée trop mignonne. Regardez-moi ça, comment elle est toute mignonne en vert. C'est du vert. C'est de la marque Madame Stolst. Madame Stolst, je pense. Voilà, c'est Madine. India. Madine India. Donc c'est une petite boîte en verre mat comme ça, avec tout un contour en métal et un petit pompon sur le devant. Je pense que je mettrai mes petits bijoux dedans, voilà les petites chaînes qui, je vais le mettre sur mon buffet et toutes les petites chaînes qui, que je veux pas qu'ils s'en mêlent dans le gros pot, ben je le mettrai là-dedans et j'ai payé ça 75 centimes. Donc franchement ça valait le coup. Et toujours un peu dans le même esprit et j'ai totalement craqué en les voyant, c'est ces petits carnets. Donc j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un pour vous dans un futur concours. Regardez-moi comment ces carnets sont magnifiques. Donc le devant est en métal en fait, très très joli. L'intérieur c'est juste des petites pages blanches, mais je les ai trouvés trop beaux. C'est la marque Fedor, donc c'est français également. Hop, attendez.
Non, ça a l'air espagnol. Ah, c'est importé d'Espagne par l'entreprise Fedor. Donc voilà, c'est très très joli. Franchement, il est très beau. L'arrière est en tissu noir comme ça. Et il valait 50 centimes ces petits carnets. Donc ça, ça vaut excessivement le coup. Donc voilà un petit peu pour mes petits achats à Noz. Vous voyez, rien de folichon. Mais en attendant, j'ai adoré. Voilà, voilà, j'en ai eu pour 19,66€. Voilà, bon, bah sur ce, je crois que moi, je vais aller faire chauffer mes champignons. Je vais allumer le PC avant pour regarder un truc et après je vais aller faire chauffer mes champignons pour qu'ils soient cuits quand je suis là. On va couper la télé. Hop. Chérie vient de repartir. Ça fait bizarre de qu'il vienne manger avec moi ce midi. J'ai plus l'habitude. Hop, voilà. La télé. Donc là au programme je vais, il est 13h53, donc je vais vous tourner la vidéo produit fini parce qu'il faut vraiment que je le fasse, je crois que j'ai deux sacs pleins et là il faut que je le fasse, donc je vais tourner la vidéo produit fini et après je vais m'attaquer à mon repassage parce que la pile elle est super haute, elle fait ma taille sur la chaise, donc ça vous donne une idée. Voilà voilà, ce matin j'ai accroché mon linge aussi, donc ça va m'occuper une partie de l'après-midi et chérie ne devrait pas rentrer tard et je pense qu'on va faire des petits trucs au niveau des travaux qu'on a prévus ce week-end. Je vous montrerai ce qu'on veut faire. Et puis voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Je vais chercher mes sacs pour la vidéo. La vidéo produit fini. Faites. Voilà. Quand je vous dis qu'il y en avait beaucoup, je m'excuse par avance de la longueur de cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus vite. Je pense qu'il y en a encore qui vont me dire que je parle trop vite. Mais bon, je voulais pas non plus que la vidéo dure 3 plombes, donc voilà. Sur ce, je vais aller chercher Maurice. Non, c'est pas Maurice, c'est Marcel, que je le renomme maintenant. Je vais aller chercher Marcel, le mettre en place pour qu'il chauffe avant d'aller mettre mes produits à la poubelle. Et comme ça, je vais faire mon repassage. C'est parti. Voilà, Marcel a fini son boulot. J'ai regardé des vidéos YouTube en attendant. Donc Marcel, il est à l'arrêt. Je vais éteindre la lumière puisque je vais aller dans la chambre et je vais... Il va faire jour, ne vous inquiétez pas. Je vais ranger le... Vous savez ce qui traîne dans mon pot d'habitude sur le buffet. Là, du coup, je l'ai mis... J'ai mis tout dans un sac pour les ranger. Donc je vais m'atteler à ranger ça. C'est parti. Comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc je vais ranger. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, j'ai une crème de chez Clarins. En fait, mon mari a travaillé pour un gars qui travaille chez Clarins. Et ils ont des promotions sur les produits Clarins quand on travaille chez eux. Enfin, quand le gars qui travaille chez eux, il a 40% ou 50% je crois. Et donc j'ai eu ma crème de nuit Clarins, la multi-active nuit que j'adore mais que j'achète jamais parce qu'elle vaut un bras. Et je vais avoir la jour parce qu'il s'était trompé. Il m'avait fait pour peau sèche. En fait, c'est pour toute peau la mienne. Donc voilà, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir commencer ma routine Clarins quand j'aurai les deux crèmes. Donc là, ça c'est toutes mes lingettes démaquillantes. Il y a plein d'échantillons. Je vais trier tout ça et puis je vais... Vous ne me voyez pas en fait. Ah, là c'est mieux. Je vais trier tout ça et puis je vais ranger tout ça où il faut. Ah, mon Dieu. Donc les échantillons de côté, parce qu'il y en a que je veux tester, il y en a que je veux pas tester. Il y a des bijoux, il y a un peu de tout là-dedans en fait. Je vais tout trier, tout ranger comme il faut. Ranger un petit peu mes bijoux parce qu'il y a la boîte aussi qui est sur le buffet qui a rangé, remettre les boucles d'oreilles où il faut. Et ranger mes rouges à lèvres parce que c'est le bordel dans mon tiroir à rouge à lèvres. Donc je vais ranger tout ça et je pense que je vais faire un peu de tri au passage. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je vous dis que c'est le bordel... C'est le bordel. Bon, là, ça va encore. Le dessus où il y a les rouges à lèvres bâtons, ça va encore. Mais là, les rouges à lèvres liquides, c'est Bagdad. Donc voilà, ça range, ça range. Alors, en fait, je mets des boîtes comme ça, des boîtes de box. Donc là, tout simplement, ceux-là, je vais les mettre là, ce sera plus facile. Là, ce sont les rouges à lèvres. Donc là, j'ai mes NYX. Donc tout ce qui est les liquides suèdes ou les... en dessous, il y a les autres, là, les comme ça, les cosmiques métal et puis les lingeries. Donc là, j'ai mis tout ce qui était NYX ensemble. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les Matisteria de Arc-en-Ciel qui sont très, 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 très bien. Là, il y a un peu de tout, en fait. Vous avez les petits gloss Marc Jacobs que j'adore pour mettre, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup gloss. Vous avez des Gérard Cosmétiques. D'ailleurs, j'en ai jeté deux parce qu'ils sont plus bons du tout. Ça, c'est un Ciaté. Après, vous avez du Guerlain, du Dior, du SLA qui sont très, très bien. Ceux-là, ils sont trop cool, les LA Splash. Du Girl Arctic, du Melted Too Faced.
Ça, je crois que c'est Dior ou Yves Saint Laurent. Je crois que c'est Dior, ça. Kiss et puis les Sananas au fond. Donc voilà, là, c'est ce qui est un petit peu plus cher et ce que j'utilise un petit peu le moins ou quand j'utilise des choses. Voilà, donc je le mets là au fond. Comme ça, ça pose pas de problème. Et je crois que ça, je vais le mettre dessus. Comme ça, ça me posera pas de problème. Comme vous pouvez le voir, là sur le côté, c'est tout ce qui est mes miniatures de rouge à lèvres. Donc il y a un peu toutes sortes. Hein. Il y a aussi bien du Sephora que du H&M. Tout ça c'est du Sephora je crois, ouais tout ça c'était les mini Sephora que j'avais acheté, il y a du Kat Von D, ça je sais plus ce que c'était, H&M, il y a du Marc Jacobs également et du Dior, donc si vous avez des petites miniatures de rouge à lèvres que vous ne servez pas, ils vont pas rester là longtemps parce que je vais enlever cette barre là où je mets mes rouges à lèvres que je ne me sers, mes rouges à lèvres n'importe quoi, mes colliers que je me sers plus du tout, tous ces gros colliers là je mets plus, donc ça je vais l'enlever et je vais venir mettre mes petites boîtes et je vais, que j'avais avant dans le bureau, et je vais venir y mettre mes petites miniatures de rouge à lèvres dessus, donc voilà, ça va être enlevé de là d'ici peu, mais pour l'instant c'est encore là, donc ça c'était la première boîte et là il y a mes deux autres boîtes, donc ça c'est vraiment le tiroir rouge à lèvres liquide, comme vous pourrez le voir c'est vraiment que du rouge à lèvres liquide. D'ailleurs ça je vais peut-être pas le mettre là, si je veux laisser là. Donc là vous avez tout ce qui est Kiko, donc les rouges à lèvres liquides Kiko, là vous avez du Kat Von D, du Huda Beauty, quelques NYX parce qu'ils sont tout petits, vous savez tous ces petits trucs là je les ai mis là, ouais, c'est des tout petits en fait, il y a du, voilà, là il y a du You Are Cosmetics, et là c'est tout ce qui est Jumbo, donc en fait les petits Jumbo basiques, voilà comme ça, voilà voilà voilà. Et par ici, vous avez tout ce qui est... Bon, là, c'est un petit kit de chez Sephora. Mais sinon, vous avez tous les Sephora. Je ne sais pas dans quel sens me mettre pour que vous voyez mieux. Je vais essayer comme ça. Donc là, vous avez tout ce qui est Sephora ici, là. Donc, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, pas mal. Hein, voilà. Ensuite, vous avez les Vivid Hot Laker de chez Maybelline que j'adore. J'en ai deux. Le deuxième doit être là. Voilà. Vous avez également du... c'est quoi ça? C'est Rimmel? Ouais, des Rimmel que j'aime beaucoup. Ça, c'est les fameux rouges à lèvres que... Soleil 704, mais 715 Makeup parle souvent de chez Kiko et ils sont vraiment très bien. Donc voilà, je les ai en stock. Ça, c'est encore du Rimmel. Ça, c'est du Pro de chez Makeup Revolution qui m'avait été offert dans mon swap avec Elodie. Et ensuite, en dessous, vous avez les Douche Cosmétiques. Les Dux Cosmétiques que j'adore, ils sont vraiment très très beaux ceux-là. Et il y a un L'Oréal, voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu de tri parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu périmées. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça, ça revoilà. C'est français ce que je dis, c'est incroyable. Donc voilà un petit peu, c'est déjà un petit peu mieux rangé. Et sinon là-dedans, vous pouvez retrouver... D'ailleurs, il faut que je trie aussi tout ça parce que je crois que ça, c'est plus bon. Tout ça, ça doit plus être bon. Donc je vais les retirer et je vais continuer mon tri et voir un petit peu ce qui est plus bon. Et là, remettre un petit peu parce que j'ai des rouges à lèvres. Vous voyez là-bas, c'est un peu le bordel. Donc je vais tout remettre droit. Donc voilà. Bon, ben j'ai eu un coup de folie. J'ai rangé les tiroirs du meuble là. Ouais, j'ai tout rangé. Gros coup de folie, je vous montre rapidement. Donc en haut, je vous ai déjà montré, c'était les rouges à lèvres. Là, c'était les rouges à lèvres liquides. Donc voilà, ça, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ici, alors à la base, on avait tout ce qui était fard à paupières. Non, tout du tout. Tout ce qui était mascara. Donc il y en avait deux pots. Et j'en ai beaucoup trié, j'en ai beaucoup acheté. Ouais, c'est... Less is more, on dirait. Parce que là... Le trop est l'ennemi du bien, donc ça m'a fait du bien de tout trier. Il y en avait, en fait, il y en a que je finis mais que je garde parce que je trouve que le packaging il est joli et tout, mais là il y a un moment ça suffit. On arrête de garder pour garder, ça sert à rien. Donc j'ai vraiment tout trié. Donc voilà, là c'est les mascaras qui me restent et les bases, dont un et un quelque chose pour waterproofer, je sais pas si ça se dit. Un truc qui rend tous les mascaras waterproof, voilà. Ici, vous avez les tout petits mascaras, les produits pour les sourcils et les crayons. Vous savez, les petits trucs fard à paupières liquides comme ça. Dans le fond, vous avez tout ce qui est anti-cerne, anti-cerne et les primers pour les yeux. Et ici, c'est tout ce qui est fond de teint. Pareil, fond de teint, j'en ai beaucoup, beaucoup trié. Il y en avait plein que j'avais acheté par correspondance qui ne m'allaient pas, etc. Donc, il y en a plein qui vont être en vente sur mon vide-dressing, je pense, très, très prochainement. Donc, voilà. Ici, pareil, gros tri, puisqu'à la base, les fonds de teint étaient au fond. Donc ici, il me reste les poudres, hein, donc tout ce qui est poudre libre ou poudre compacte. Là, c'est les blushs et blush highlighter de luxe que j'ai et une palette Cocoa Contour derrière. Ici, c'est tout ce qui est blush qui me reste parce que j'en ai beaucoup trié. Il y en a plein que j'avais dans des couleurs un peu pareilles, similaires et tout. Donc là, c'est les blushs qui me restent et ici, c'est les bronzers et les highlighters. Donc il y a vraiment eu du tri de fait, je vous le...
Et après ici c'est tout ce qui est fard à paupières mono, mais là j'ai pas encore mis mes doigts, mais normalement ça restera comme ça. Et après c'est tout ce qui est vernis, et en bas c'est du backup. Et du coup j'ai profité pour mettre ce petit rangement là en acrylique à la douche, parce qu'il prend la poussière comme pas possible, donc je l'ai mis à la douche, il est tout propre. Mes produits que j'utilise au quotidien, donc voilà, j'ai changé un petit peu les blushs et tout, et les bronzers, pour dire faire un petit peu de changement. Ça faut que je vous en parle, je vous en parlerai très prochainement. Je l'ai reçu d'Octoly et de Givenchy là hier. C'est un nouveau mascara, c'est le noir interdit édition limitée de chez Givenchy, et en fait c'est la teinte dark red. J'ai essayé de le mettre ce matin, mais je suis pas hyper fan pour l'instant de la couleur. En fait je pensais pas qu'il était de cette couleur là donc en fait le packaging est juste à tomber, franchement. Le packaging, enfin les packaging Givenchy, j'ai essayé de vous le mettre à l'endroit, c'est juste magnifique. Et en fait c'est un mascara, vous savez, c'est les mascaras qui se hop, voilà, comme ça, ça permet de bien attraper les petits cils. Alors cette façon de mascara à mettre un peu comme vous voulez, il est vraiment génial. Franchement, ça c'est super cool pour attraper les petits cils sur les côtés, c'est super cool. Par contre, je sais pas si vous allez voir, c'est un brun en fait. Enfin, un brun, non, c'est un rouge foncé. Et j'essaierai de vous faire un make-up avec, puisque là je m'étais pas maquillée avec les bonnes couleurs, mais peut-être que sur un make-up avec du prune ou des choses comme ça, ça peut être sympa. Mais je vous en reparlerai, bien entendu. Donc ça reste dans les à tester. Je vais aller bouger ma voiture parce que chérie va rentrer, et puis après bah, je vais... Bon, j'ai encore quelques trucs à ranger. Chouchou est rentré. Donc, et il m'a dit que demain il ne travaillait pas. En train de faire du rangement en même temps que je vous parle. Donc Chouchou est rentré, il m'a dit que demain il travaillait pas, mais du coup on doit faire des petites choses, et puis il doit préparer pour les travaux ce week-end avec le pote, donc c'est pas plus mal. Bon, en ce moment il travaille beaucoup, mais c'est un peu plus calme le vendredi. Mais bon, il y a une période comme ça sur... J'aime pas quand je fais des choses sans vous regarder. En décembre c'est souvent un peu plus calme, donc c'est pas bien gênant vu ce qu'il bosse en ce moment. Les autres jours, c'est pas grave. Là je vais finir de ranger parce qu'il me reste quelque chose à ranger sur le lit. J'ai un sac, je vous le montre, voilà, complet. Bon, il y a des choses à acheter dedans, mais j'y regarderai un petit peu plus attention la semaine prochaine. Et je sais pas encore comment je vais faire, si je vais vous faire gagner des colis vide placard, si je vais mettre en vente ou si je vais faire une vente live, je ne sais pas encore. Je vais bien voir, de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Et puis je vais ranger les quelques petits trucs qui me restent à ranger là. Et puis après je regarderai ce qu'on va faire à manger ce soir. Il est 17h30 donc il est pas tard. Donc voilà, et puis je vais peut-être vous montrer les vidéos que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, je vais peut-être faire ça aussi. Coucou, allez, bisous. J'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi, il est 15h30. Et comme chérie n'a pas travaillé aujourd'hui, on est partis tous les deux ce matin. On est allés manger chez les amis ce midi. On a été changer le jeu de mon papa, donc on en a pris un autre. Et puis on s'est acheté un petit jeu aussi pour nous, pour les soirées entre amis et tout ça. Et on a pris celui-ci. Super défi Bécherel. Et même pour les enfants, je trouve que c'est super bien. C'est un super jeu, il est pas très cher, il a moins de 15€. Donc ça peut être une idée cadeau de Noël pour les enfants, je trouve. Voilà, là cet après-midi, ce que je vais faire, c'est... ranger un petit peu tout ce qui traîne dans la maison. Et puis je vais essayer de me poser, une fois que tout est rangé, pour répondre à vos commentaires, parce que j'ai du retard dans la réponse à vos commentaires. Il faut que je le fasse. Donc voilà, et à 17h30 il y a la vidéo de l'ouverture du calendrier d'Avent de Jenny. Donc je suis très pressée de voir cette vidéo. Vivement 17h30. Allez, encore 2 heures à tenir et je pourrai la voir. C'est parti. Bon, je voulais pas faire tous les jours, mais je voulais vous montrer le dernier cadeau du calendrier de l'Avent Nouvel An de Makeup Révolution. Donc c'est une grande case. Hier on a eu un fard à paupières liquide, je crois. J'essaierai de vous remontrer tout après. Alors je vais essayer d'ouvrir la case. Hop, je crois que c'est bon. Hop, et c'est une palette. Et j'ai du bol parce que des palettes de cette catégorie Vélodite, j'en ai, mais je n'ai pas celle-là. Elle est trop belle. Donc c'est la Makeup Pigment Palette Impérative. Elle est belle. Oh, elle a l'air d'être trop belle. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir à une main ? C'est que de l'iriser. Regardez ça. C'est magnifique. Vous avez vraiment de tout. C'est joli. Je vais vous montrer tout ce qu'on a vu dans ce calendrier de l'avant. Donc il y a le liner que moi je n'utiliserai pas, que j'ai déjà mis de côté. C'est un liner noir basique. Après, voilà ce qu'il y avait dans ce kit. Donc le premier cadeau, c'était un... Je vais mettre comme ça peut-être.
Ouais. Bon. Comme ça. C'est un rouge à lèvres liquide gloss. Pourquoi ça ne veut pas faire le focus? Hop. Voilà, un rouge à lèvres liquide gloss comme ça. Le deuxième cadeau, c'était un... non, le premier cadeau, je vous dis des bêtises, c'était une palette. C'était celle-ci. Palette d'highlighter qui est très très jolie. C'est la highlighter palette en teinte warm. Voilà. Le deuxième cadeau, c'était ce gloss-là qui est très joli. C'est une espèce de petit marron qui est très subtil. Assez sympa. Le troisième cadeau, c'était un crayon pour les lèvres qui est dans les teintes un peu cuivrées. Ensuite, on avait le liquide mat pour les lèvres comme ça, qui est pareil, un petit peu cuivré. On avait l'eyeliner noir que moi, j'ai pas utilisé. On avait ce très joli... une ombre à paupières liquide un petit peu rose gold qui est plutôt jolie. Et le dernier cadeau, c'était cette magnifique palette. Donc voilà, franchement pour 15 euros, enfin à la base ça vaut 30 euros. Et moi je l'ai eu à... non, ouais 15 et 15, 30, ouais. Je l'ai eu à 50% à 15. Ben, je suis contente de ce que j'ai reçu et franchement ces palettes-là, moi je les adore. Les palettes de ce style-là de chez Makeup Revolution, elles sont top. J'en ai plusieurs... Attendez, elles sont où? Elles sont là. Donc ça, je vous avais fait une vidéo sur celle-ci, là. Là, celle-ci, c'est la teinte verte. Donc, c'est la iconique division dupe de la subculture. Ça, c'est un peu le dupe de la Norvina d'Anastasia et c'est la Visionary. Celle-ci, c'est un peu un dupe de plein de palettes, en fait. Parce qu'elle ressemble un peu à la Naked Cherry au niveau des teintes. Et c'est la Reload Neutral 2. Voilà. Et là, nous avons celle-ci qui est vraiment très jolie. Il y a des fards très irisés qui sont très sympas. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis hyper contente. Et en ce moment, je suis en train de tester celle-ci que j'ai reçue, que j'ai commandée sur Amazon. C'est la marque Aprils. C'est une marque qui est cruelty free et tout, et tout, et tout. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit bonhomme là. Je ne l'ai pas payé très cher. C'est une marque américaine, aprilsbeauty.com. Et franchement... je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Déjà, le packaging, je le trouve magnifique. C'est la Safran Garden Palette. Et en fait, à l'intérieur, elle se présente comme ça. Donc, vous avez plein de couleurs hyper sympas. Et la pigmentation est hyper top, quoi. Voilà. Je vais vous montrer le make-up que j'ai fait avec aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je la teste. Et c'est plutôt sympa. J'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc, voilà le make-up que j'avais fait avec cette palette. Vous voyez, la pigmentation, elle est quand même plutôt pas mal, hein. Belle pigmentation, ça se travaille hyper bien, c'est super pratique. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse cette fois-ci et je vais ranger. Coucou. On est le 1er décembre et oui, c'est parti, on y va, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte d'ouvrir ça. Sur ce, je vais me poser et je vais ouvrir tout ça. Bon, les hommes travaillent, mon chéri est parti chercher des vis parce qu'il en manquait. Moi j'ai fait des financiers qui sont en train de cuire et là je suis en train de faire un sauté de veau. Pour ce midi, bah oui, parce qu'il faut bien les nourrir, ces hommes qui travaillent. Et ma meilleure amie nous rejoint parce que c'est le mari de ma meilleure amie qui bosse avec chérie. Oh, je crois que j'ai... Ouais. Ça, il est remis à zéro pourtant. Moi aussi, c'est bon, la luminosité. Coucou. Donc allez, je continue. On est dimanche, il est 14h10. Et chérie est en train de regonfler nos pneus parce qu'on a encore une crevaison lente sur le même pneu. Alors que normalement on l'a changé. Bref, on verra bien. Aujourd'hui au programme, on a décidé d'aller faire quelques marchés de Noël, je pense deux, de Villers-Bocage et de Bertangle. On va essayer ça comme ça parce que je voudrais trouver des petits cadeaux de Noël fait main, made in France en fait. Donc on va voir ça. Et puis chérie doit ranger un petit peu ce qu'ils ont fait hier parce qu'ils ont arrêté assez tard et du coup ils n'ont pas rangé, donc ils vont essayer de faire ça. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la petite palette qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent de Jenny. Une petite palette Nocibé, je vous laisse aller voir la vidéo, elle était plutôt pas mal. Voilà, bon, sur ce, moi je vous laisse, je vous emmène avec mon téléphone, si je vois des petits trucs, je filmerai avec mon téléphone, mais je vous emmène pas avec la caméra. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard que quand je vous ai pris tout à l'heure, puisqu'il est 7h-20. Alors, c'était un gros fail, les marchés de Noël, puisqu'on est allé à Villers-Bocage, et c'était hier, alors que le courrier de Picard mettait que c'était hier et aujourd'hui, donc il n'y avait rien, donc on est allé jusque Bertangle, où il y avait un marché potier, donc il disait qu'il y avait des poteries, des bijoux, etc. Clairement, c'était vraiment que de la poterie, il y avait des jolies choses, mais à des prix horribles. Donc voilà, on a fini au jardin de Poulainville, pour celles qui connaissent. On a acheté quelques petites choses, mais vraiment des trucs... Mon chéri voulait des gâteaux apéro, on a pris des petits gâteaux apéro, Michel et Augustin, parce qu'ils les aiment bien. Et il s'est pris aussi... des super cœurs fondants chocolat noisette comme ça.
Donc vous voyez, rien de bien transcendant, rien du tout dans les achats de Noël, enfin dans les décos de Noël, parce que j'ai tout ce qu'il faut et que j'avais rien envie d'acheter. Donc voilà, j'achète rien cette année. C'est très très rare une année où j'achète rien en déco de Noël, mais franchement j'avais rien envie de rien. Il y avait les bougies Yankee Candle, je voulais voir un petit peu les nouveautés, sentir surtout, pas forcément acheter. Mais franchement les nouveautés de cette année je les trouve pas top top. Et il y avait des bougies Durance. Alors j'ai totalement craqué sur une odeur qui était l'odeur noisette. Ça sent le Nutella. Par contre j'ai hésité et j'ai pas pris parce que je me suis dit ce style d'odeur à froid ça sent très bon. Mais à chaud j'ai un peu peur que ça m'écœure. Donc pour 15€ la bougie j'ai pas pris. Voilà, là il est comme je vous ai dit 7h20. Donc je vais regarder ce qu'on va manger ce soir. Je ne sais pas du tout, je vais bien voir. Je pense que mon petit Cookéo va être mon ami ce soir. Et puis on va voir ça. Je pense que je vais vous laisser là. Je vous retrouverai dans la semaine pour d'autres vidéos. Et mercredi prochain dans un autre vlog. J'espère que j'ai rien oublié à vous dire. Et la semaine prochaine je vous montrerai ce que Chérie a fait dans le garage. Parce que du coup là il fait noir et ça n'a pas d'intérêt de vous montrer ça dans le noir. Mais franchement ils ont super bien bossé hier avec le pote. Je suis super fière d'eux. Je pensais pas qu'ils feraient ça en une journée mais ils ont réussi à le faire. Donc ça c'est trop cool. Et voilà, on est super contents. Il nous reste plus qu'à acheter une échelle de meunier pour qu'ils puissent y monter facilement. Sans mettre l'échelle à chaque fois. Et voilà, ça nous fait 9 mètres carrés en plus pour stocker des choses. Donc là il est en train de ranger un petit peu. Donc il a mis les chaises de jardin, il va mettre la débroussailleuse. On a des cartons de stock de polo pour le forum. Donc il les a mis là-haut aussi. Donc vous voyez plein de choses à mettre là-haut. Ils ont juste une petite rambarde à mettre sur le devant parce que je vous montrerai demain. Vous verrez c'est voilà, devant on va mettre une petite rambarde parce que ça évitera que les cartons tombent ou que même quand Chérie monte là-haut tombe, on ne sait jamais hein. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis super contente d'avoir encore passé cette semaine avec vous. Je vous souhaite un bon mois de décembre puisque le mois de décembre est bien commencé. Voilà, ça y est, on commence à penser aux cadeaux de Noël et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans un autre vlog. Et à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah !